Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'éditeur de carrière. On va voir comment ça se passe. Donc, vous l'avez bien vu à l'introduction, là, j'ai 4 millions sur moi et je vais pouvoir choisir, eh bien, quel choix de carrière je vais pouvoir vouloir, pardon. Tout d'abord, nous avons Col Blanc. Donc, je vous l'avais dit, diriger un empire criminel, embaucher d'autres joueurs comme garde du corps, financer, bref, c'est PDG. Là, c'est expert en trafic d'armes, donc faites fortune grâce au trafic d'armes illégal en fabriquant vos propres armes militaires dans votre bunker souterrain. Patron d'une boîte de nuit, ouvrez une boîte de nuit et faites en lieu le plus branché de toute la ville en l'utilisant comme façade pour vos activités moins légales. Et ensuite, nous avons club de motards, donc fondez un club de motards avec jusqu'à 7 autres joueurs, effectuer des contrats mortels et gérer des lieux de production. Personnellement, je vais prendre patron d'une boîte de nuit, c'est celui qui me plaît le plus, donc nous allons prendre celui-là. Et ensuite, on va découvrir ensemble qu'est-ce que nous pouvons acheter. Eh, c'est bien foutu, hein. Ah, c'est super bien foutu. Ce menu est incroyable, voilà. Alors, j'aimerais bien prendre celle que je prends d'habitude. Ah, mais à mon avis, peut-être qu'elle y sera pas, parce qu'elle vaut trop cher, je pense, non? Ah si, c'est celle-là. Ok, donc on prend celle-là. Amélioration, je vais baisser le son du jeu parce qu'après je vais me prendre un copyright dans la tronche. Hop, c'est la musique de The Black Madonna si jamais. Donc Tony Funhouse, nous on va l'appeler Maisonette Los Santos. Ah mais c'est cher. Donc vous voyez après si tu choisis de ne pas mettre... Ah ouais, tu peux choisir quel véhicule mettre dedans, tes armes et tout. D'accord. Ah ouais, tu dois sélectionner. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Vous m'excuserez, je suis encore un peu malade. Je suis carrément encore malade, mais tranquille. Ah ouais, donc t'as pas... Ah, d'accord. Donc la neige carbonique, tu l'as pas partout. Sans déconner. Tu l'as pas partout, la neige carbonique, tu vois, je ne savais pas. Bon, après, la neige carbonique, vous excitez pas, c'est rien, ça c'est un peu rien. Kuma blindé, tu peux avoir quand même pas mal de véhicules, enfin ouais, bon après c'est pas non plus très ouf. Ah là, mais c'est trop bien fait, je trouve que c'est super bien fait. Le menu, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve ça super. Eh bien nous allons le prendre, on va revenir au départ, il me semble qu'il y avait une belle voiture que j'ai. En vrai je vais prendre la Kuma blindé parce qu'elle sert grave pour l'émission, ok. Donc en arme, tu peux prendre celle que tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah ouais, t'es quand même limité. Hein. Tu es limité en arme. On va prendre la carabine spéciale. Et d'accord. Donc ensuite, résumé. Donc là, on peut faire débuter la carrière, dépenser l'argent comme il vous reste... Qu'il vous reste, pardon, comme vous voudrez à Los Santos. Ok. Donc là, en fait, vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous voulez. La boîte de nuit que tu veux. Après, à mon avis, si c'est le PDG, etc. Tu choisis vraiment ce que tu veux. Et franchement, c'est pas mal du tout. Je valide, je ne sais pas pour vous, personnellement c'est validé fortement. On va faire débuter la carrière, on va voir si on aura une introduction ou quelque chose comme ça. On va remettre le son du jeu, hop, ça me dérange pas qu'il y soit là. C'est juste pas prendre de copyright au niveau de la musique de The Black Madonna, parce qu'à mon avis ça doit être des copyrights bien salés. Donc bon. Oh la gueule que j'ai. Non. Je vais pas rentrer en mode online avec ça, arrête. Oh regardez. Non, c'est le père qu'il faut changer. Moi je crois qu'il s'appelle Vincent, le père que je mets à chaque fois à mon perso. Hop Vincent. Vous voyez, il ressemble un peu à mon personnage. Pas du tout. Bon, c'est pas grave. On va faire ça vite fait. On va mettre crête, hop là. Dessiner mon... Arqué, il n'y a pas arqué, logiquement il y a arqué, si c'est pas de bêtises. Ok, bon, il faut lui trouver. Voilà, arqué, ok, mais par contre, la couleur des cheveux, non, c'est pas trop possible. Ah non, mais mon personnage, c'est pas possible non plus. Hop là, donc ça y est, on va rentrer dans le... Ah ouais, donc là, tu as boîte de nuit, tu peux choisir une tenue qui ira avec ta boîte de nuit. D'accord, ben on va mettre ça. Est-ce qu'on peut mettre des lunettes d'aviateur? Ça peut lui aller bien, par-ci. Faudrait lui trouver aviateur, ainsi on va mettre ça.
Ok. On va rentrer dans le online, on va s'appeler BGK, on va pas s'embêter non plus. Souris ? Il veut pas sourire. Dans sa vie, il est un peu triste. J'ai envie de voir comment ça se passe au lancement. Après, level 1, vous allez me dire, oh, c'est incroyable, pas du tout. Après, c'est vraiment pour tester l'éditeur de carrière, là, comme ça, avec vous. Je vous avoue, j'ai jamais testé. Après, j'ai pas non plus 36 000 comptes. Là, c'est un compte qui ne passe pas. D'ailleurs, petite information, du coup, sur les transferts de personnages. Les comptes qui ont été reset une fois. Enfin, reset, je parle de vraiment tout remis à zéro. La progression, l'argent, plus de garage, level 1. Eh bien, vous en allez pas. Votre personnage ne passera pas sur les consoles de... console next-gen, pardon. Ah oui, mais là, on va débloquer des trophées. Bon, après, c'est quand même plus abusé, mais... Voilà, quoi. Est-ce qu'on va spawn directement dans la boîte de nuit avec Tony et tout ça, ou pas? Si you spawn, tout, t'inquiète. D'accord. Bienvenue à Los Santos. Oui, t'inquiète, je sais jouer à GTA. T'en fais pas, on est là. Et du coup, est-ce qu'il y a ma voiture ou pas? Ben non, ben vous savez quoi. Façon d'être... Ah, ok. On ne peut pas. Ok, l'introduction. Ah, ok, donc... C'est qui le pape? C'est qui ça? C'est qui ça? Ok, il va vraiment m'apprendre comment courir et tout. Est-ce que je peux voler une voiture? Donne-moi ta voiture. Merci. Mais c'est pas ma boîte de nuit là-bas. Mais pourquoi on est avec quelqu'un? C'est ce que je comprends pas, en fait. Ah, mais ok, je suis dit comme dans l'introduction, sauf qu'il y a, il y a tout le monde à côté. Ok, j'ai... Enfin libre, je vous ai laissé un véhicule à proximité. C'est pas grave du tout. Ouais. Ok, donc après vous... Ah non, je suis partie à l'opposé. Donc vraiment, tu as tout, quoi. Après, par contre, le son sort par la manette, si jamais. Donc, bon. Ouais, le véhicule était... Ouais, ceci, il était un peu à proximité. En fait, je crois que je fais les choses trop vite à chaque fois. Donc là, du coup, c'est ma courma. Pas du tout. Ah, mais si, c'est ma courma. J'avais pas vu. Ok, on t'est dans votre voiture, pas de souci. On va tout faire ensemble, si jamais ça vous intéresse comme ça. On va faire... attendez. Paramètres, son... Par la manette, voilà. Donc, même s'il nous appelle, ça sortira directement par le casque. Ok, donc là, il va vraiment m'expliquer... Ok. Arrête. Lui, à chaque fois sur mes comptes, il est là en mode « Appelle-moi, achète ton agence, s'il te plaît. Achète l'agence. » Vous savez, c'est des ventes forcées comme ça, là. « Achète l'agence. » Ma foi. Ok. Rejoignez Davis. Ah, ok. Allez récupérer le contenu de votre réserve d'armes. D'accord. Ah, mais c'est Lamar. J'ai pas lu, en fait. Je lis jamais les messages. Ok. Attends. Alors Davis, toi tu vois, il va falloir acheter. Ah, j'ai planqué ton matos, ok. Pas de soucis. Et du coup, après, il va nous dire d'aller à la boîte de nuit, logiquement. Et en vrai, c'est bien fait, mon avis, pour un nouveau joueur. Franchement, c'est très bien, un éditeur de carrière. Comme ça, bon, après, peut-être qu'il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il va rapporter le plus. Franchement, personnellement, je trouve que la boîte de nuit rapporte un maximum. Mais le problème, ça rapporte un maximum, pardon, si vous avez tout ce qui est avec le club de motards, par exemple, l'atelier de faux papiers, des choses comme ça. Là, ça rapporte. Non, mais je vais me faire péter la gueule, là, t'es pas sérieux. Tu me fous avec les ballasses, sans déconner. Là, du coup, j'ai la carabine spéciale, sans accessoire, ça, on peut s'en douter. Ok. Non, t'inquiète, on va éviter de les déranger, eux. Je vais me prendre une rouste après. Voilà, oui, non, mais t'inquiète. Ah, il faut que je les... Ah, ouais. Donc, vraiment, il t'aide vraiment à faire l'introduction de A à Z. D'accord. Qu'avez-vous? D'accord, et votre protection sont indiquées. Ok. Organisation à détruire encore. D'accord. Dans tous les cas, on est avec tout le monde là, donc c'est normal. Ok. Donc là, on peut partir logiquement. Et là, normalement, ça devrait être Tony maintenant qui devrait nous appeler. Ok. Pas de soucis. Tu sens appuyer sur carré pour changer d'arme. Oui, t'inquiète. Je sais. Ok.
il veut que je vise et que je tire. Ok, mais c'est... Des fois, je sais que t'as des didacticiels. Ah, voilà, et c'est Tony Price. Prince. J'appelle Price, moi, à chaque fois. Salut, Nick, alors c'est toi. Yes, c'est moi qui ai acheté les dieux. Donc là, normalement, il va nous faire aller à la boîte de nuit. Donc, on va directement monter. Donc, peut-être que là, quand tu vas à la boîte de nuit, ça va te déclencher la cinématique avec Tony, Laszlo, etc. Mais il me fait rire, il m'apprend tout sur le jeu. Entrez dans votre boîte de nuit, y'a pas de soucis. Donc là, est-ce qu'on va avoir une cinématique? Je pense que oui. Ah, le joli petit panneau publicitaire. Ok, ouais. Donc là, tu rentres dans la cinématique. Pas de soucis, ok. Bah après, on connaît, et après, à mon avis, tu lances ton business, etc. quoi. Ok, bah du coup, il y a eu toute la cinématique, je vous la passe évidemment. Et du coup, maintenant, eh bien, on est dans la boîte de nuit. Et puis voilà, oh la tronche du perso, c'est pas grave. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, enfin cette grande vidéo quand même, vous aura plu sur l'éditeur de carrière. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était BGK. Ciao tout le monde !